Moi champion, Kylian Mbappé, Léo Vip, Kato Kylian Mbappé. Les amis, bonjour! J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors les gars, je vous ai annoncé hier qu'aujourd'hui, on allait se régaler et que ça allait être... On va péter Internet du Mbaflix. Je le réservais, J'étais sur la douceur. J'avais pas appuyé sur le démarrage. J'avais pas avancé. J'étais sur le point mort. Dès lors qu'il y a eu cette annonce hier, il n'y a plus de reculé. Les copains. Donc, aujourd'hui, on va prendre le temps et on va mieux rentrer dans l'analyse. On va mieux rentrer dans tout ce que je voulais vous évoquer hier, parce qu'hier, c'était très compliqué. J'ai dû changer. Et puis, le décalage avec là où je suis en ce moment, ça devenait très compliqué. Donc, comprenez bien, les copains, qu'aujourd'hui, le vrai Mbaflix est dans la place. Alors, tous ensemble, les gars, on regarde ma vidéo avec cette position. Voilà, ça va faire des muscles, comme ça. Et dès que vous êtes un peu content, vous hochez les épaules, comme ça. Moi, champion. Voilà, ça va être notre danse de la joie, les gars. Voilà. Si quelqu'un n'est pas content, hop. Moi, champion, Kylian Mbappé. Danse de la joie, voilà. Bon, les amis, on va revenir sur plusieurs aspects. Parce que en plus d'hier, aujourd'hui, Kylian Mbappé aurait annoncé à ses coéquipiers, à l'entraînement, que ça y est, c'est définitif, il s'en va. Je vais éclaircir plein de points. Déjà, les gars, parce que vous vous rappelez, novembre, décembre, je vous avais dit mes échos, Madrid, on n'irait pas plus loin que février, non pas pour que Kylian signe, non, mais pour au moins savoir si Kylian irait à Madrid ou pas. Et pour ça, le Real fonctionne d'une manière à demander aux joueurs de faire ce pas, de s'exprimer, d'annoncer aux siens, à son club, et non plus cette idée que c'est le Real qui vient, etc. L'histoire Mbappé a déjà fait assez souffrir le Real Madrid dans son honneur au vu de ce qui s'était déjà passé par le passé. Et si Kylian voulait aller au Real Madrid, il fallait qu'il fasse ce que le Real Madrid lui demande et la manière de faire. Donc, on va revenir sur plusieurs petites choses. Déjà, parler aussitôt, annoncer aussitôt les choses, est-ce que c'est une bonne chose, le savoir aussitôt pour la saison ou pas ? Moi, je vous ai toujours dit que, à la fois oui, à la fois non, c'est très très compliqué de donner réellement une opinion sur ce truc-là. Parce qu'à un moment donné, moi, en vrai de vrai, je pense que c'est la meilleure chose. Parce que tu peux pas salir toute la saison sur un suspense là où le joueur... Bien sûr, si le joueur était au courant, etc. Mais là, dès janvier, les choses étaient claires et nettes. C'était juste qu'il fallait officialiser, le joueur avait fait son choix, le joueur l'a communiqué maintenant à ses joueurs. Et je pense que c'est la meilleure manière de conclure et de tout donner en étant focus maintenant football. Le joueur connaît son avenir. Le club connaît son avenir, mais ils savent qu'ils doivent finir ensemble. Alors, selon plein d'échos, même si les médias disent autre chose, il y a quand même une colère de Nasser, de ce que je sais. Il y a une colère de Nasser, etc. Je rentrerai pas plus dans les détails puisque j'en sais pas plus. Bon, on évoquera le sujet juste après. Mais parler tôt, voilà, c'est un moyen pour lui, pour ses coéquipiers, de se retrouver. De se retrouver dans une situation où enfin tu penses foot. La semaine prochaine, il y aura la Ligue des Champions, tu vas pas dire ouais, mais est-ce qu'il part, est-ce qu'il reste, est-ce qu'il... L'équipe sait qu'elle doit reconstruire. Le coach sait qu'il doit reconstruire. Et même pour Luis Enrique, je pense que ça devenait très difficile d'avoir un joueur. Tu vois, toi, t'arrives avec un projet, t'as un joueur, peut-être pas. Et chaque été, la même chose. Moi, je vous avais dit que pour moi, voilà, le fait de parler aussitôt, ça va être une bonne chose. Comme ça, tout le monde passe à autre chose. Chacun se concentre sur un avenir différent. Partir libre, à qui la faute? Alors oui, partir libre, ça fait pas toujours plaisir, surtout quand c'est Kylian Mbappé. Je ne pensais pas, l'année dernière, je ne pensais pas que Kylian partirait libre. Dans ma pensée, c'était Kylian, soit il prolonge, s'il n'est pas amené à partir l'été dernier, en laissant de l'argent au club, il aurait prolongé et aurait laissé de l'argent au club peut-être cette année. Bon, il y a eu terrain d'entente avec le Real Madrid. Paris lui a déjà fait à l'envers aussi. Hein. Faut pas oublier qu'il a déjà demandé à partir, Paris l'en a empêché. Le problème, c'est que si tu prolonges, le club est maître de ta situation. Donc si le club, et on connaît un peu Nasser et les Qataris, s'ils ont envie par pur égoïsme ne pas te vendre, t'en es esclave. Donc à quel moment
on peut te vendre, sur toutes ces années, le PSG a accepté de vendre Kylian à un seul moment, c'était l'été dernier. Sauf que Kylian a le droit, tout comme le club a le droit, de dire, bah là, j'ai pas envie de partir à ce moment-là. Et le problème, c'est pas que Kylian parte libre à mes yeux, c'est que le PSG savait que Kylian, à plusieurs reprises, voulait partir. Le PSG a menti sur la prolongation 2025 dans le dos pour l'image, le public, etc. Le PSG a très mal géré et aujourd'hui, il se retrouve avec un joueur qui part libre, qui aurait pu partir en laissant 200 millions. Donc, c'était un moment donné, voilà, le revers à se manger dans les dents, je pense, pour Nasser surtout. Désolé pour le bruit derrière, j'ai comme l'impression qu'il se passe des choses dans la rue. Donc j'estime, voilà, je peux comprendre certains supporters du PSG et tout, mais Paris a très très mal géré l'histoire Mbappé. C'est pas normal qu'au bout d'autant d'années, tu ne peux pas te focaliser sur le futur et que t'as un joueur qui... tu peux pas garder un joueur comme ça, qui chaque été peut te faire un suspense et un chantage. Le sacrifice et la baisse de salaire de Kylian Mbappé pour Madrid. Bah, je pense que de toute manière, Kylian en venant à Madrid, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Le Real devait redorer son image avec Kylian. C'était soit le joueur venait au club et s'instaurait comme un grand parmi les autres grands, soit le club n'aurait pas pu lui donner ce que par le passé ils auraient pu lui donner, c'est-à-dire tuer la tête du projet maintenant à nouveau, etc. Parce que le foot va vite, et surtout dans un club comme Madrid. Je veux dire, Madrid a fait sortir Vinicius et l'a explosé mondialement. Bellingham est arrivé, et ça y est, il s'instaure comme le potentiel ballon d'or pour l'année prochaine. Et forcément, t'arrives, on peut pas dire, ouais, non, mais t'es encore le même. On espère la même chose de toi dans ce qu'on va donner en termes d'image sur le club, de projet. Et non, là, si tu viens, tu t'instaures parmi les grands. Et la meilleure manière, c'était de le prouver financièrement. Kylian en venant, certes, ça peut... Je peux comprendre plusieurs personnes qui vont dire, ah ouais, à Paris, il demandait des dingueries, et là, genre, à Madrid, il va faire le faillot et tout. Je pense pas que c'est une histoire de faillot, je pense que c'est une histoire de qu'est-ce que le club fait de toi et qu'est-ce que tu fais de l'endroit. Moi, je pense que la relation avec Nasser, par exemple, était une relation qui devenait toxique. Hein, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, bref. Les Qataris ont beaucoup parlé par l'argent. Et pour garder un joueur comme Kylian, qui lui voulait partir, bah, il a su prendre ce qu'il fallait. Mais il a toujours donné sur le terrain les choses. C'est-à-dire que si toi, t'es une personne qui ne réfléchit pas à l'aspect hors terrain, comme j'aime le faire très souvent, à un moment donné, le joueur aura tout donné sur le terrain. Ça, personne ne pourra lui reprocher. Il a porté à certains moments même des choses que le club, dans des moments de difficulté, on va se rappeler Tourelle, Pochettino à certains moments, il y avait un grand Kylian de contre-attaque. Moi, je pense qu'ils n'ont pas su construire une équipe réellement autour de lui comme il le fallait. Je veux dire, Neymar, Kylian, ça suffisait en termes de technique star offensif. Ramener Messi derrière aura été un problème. Pas parce que c'est Messi, et Messi juste après il gagne la Coupe du Monde, je veux dire, c'est jamais le problème Messi, c'est le problème trois mecs devant, trois mecs qui vont pas cavaler comme des fous, trois mecs qui sont de base des leaders uniques, et on parle pas de joueurs qui grandissent en même temps aussi, c'est ça le truc, c'est que t'as Mbappé qui est en train de grandir, là où le club lui promet tout, t'as Neymar qui quand il arrive le club lui promet tout, et derrière t'as Messi qui arrive, lui, Messi c'est simple, si tu le prends faut faire jouer l'équipe autour. Sinon, t'as rien compris. Donc, c'était obligé qu'il allait y avoir certains problèmes à un moment donné. Donc, Mbappé au Real Madrid touchera dans les alentours, si je me trompe pas, de 20 à 25 millions. 20 à 25 millions, donc à peu près dans le même type de salaire que Vinicius et Bellingham. Et là, tu ne tues pas le vestiaire d'une certaine manière avec cette idée que le mec arrive, vous êtes là, vous avez prouvé, vous avez grandi, vous êtes les stars du club. Et t'as Mbappé qui arrive et d'un coup il vous explose dans tous les salaires, c'est ce que j'avais évoqué. Je m'attendais pas honnêtement, je m'attendais que ce soit quand même plus. Mais bon, le joueur arrive et s'instaure parmi les stars et c'est le bon message qui est envoyé. Alors oui, beaucoup me disent, oui mais là il a juste annoncé qu'il partait du PSG, peut-être ailleurs. Non, je vous le dis les gars, c'est Madrid. Enfin, c'est très simple. Kylian là, c'est en train de ficeler les derniers détails de coton. Pour Madrid, en fait, il n'y a pas d'autre chose. Faut-il siffler Mbappé? La colère stupide, la colère sans recul, etc. fait que tu vas siffler. Mais il faut savoir qu'est-ce que tu siffles. Moi, je pense que si il doit y avoir une colère, elle doit avoir lieu envers le PSG. C'est le PSG qui a mené cette histoire. C'est le PSG qui se retrouve dans une situation où le joueur qui a demandé à partir depuis si longtemps est resté. Avec beaucoup d'argent, avec plus d'argent qu'on doit donner normalement à un joueur. Au point de ramener des directeurs sportifs spécifiques, des mecs chargés de communication spécifique en rapport aux joueurs, en faisant passer le joueur au-dessus du club. Forcément,
forcément ça te retombe à la tronche. Ça, je le dis depuis toujours. Là, aujourd'hui, le PSG va pouvoir être une équipe 100% foot. 100% foot avec des joueurs qui, quand ils viennent, ne sont pas au-dessus du club. Une direction qui est passée à l'étape, ça y est, l'image, Coupe du Monde. Là, tu redeviens un club de foot. Avec un coach de foot qui va faire ce qu'il veut avec 100% de son effectif. Quand t'as Mbappé, tu fais pas ce que tu veux avec 100% de ton effectif. Ouais, mais faut pas trop le contrarier, faut le faire ceci, faut pas... Là, c'est fini. Et à Paris, ça va être positif. Mais encore une fois, ça va être une reconstruction parce que là, il n'y a plus d'individualité d'Mbappé. Faudra reconstruire ça sur plusieurs gros joueurs et ça pourra donner peut-être de meilleurs résultats. Mais siffler Mbappé, non, faut finir la fête. Le joueur c'est le joueur historique du PSG avec ses failles et ses qualités. Et je pense qu'il faut finir pour les supporters en fête avec le joueur qui a quand même donné plus d'une moitié, qui a quand même donné plus facilement la moitié de sa carrière au PSG et que personne n'aurait pu imaginer. Personne n'aurait pu imaginer ça. Lui qui, dès le départ, était quand même dans une optique de suite après avec le Real, a donné autant d'années au club et a tout donné sur le terrain. Le PSG pourra-t-il se relever d'un départ de Mbappé? Bien évidemment. C'est juste une question de temps et c'est juste une manière de construire différemment. Tu ne construis plus sur l'idée d'avoir un poste par poste, je remplace Mbappé par un nouveau Mbappé. Non, non, non. Tu as une nouvelle équipe de foot qui gagnera d'une nouvelle manière, non pas basée sur un attaquant qui met 40 buts, mais sur un effectif entier. Et ça se reconstruit. Si Paris veut s'instaurer comme un grand club, Paris va, à ce moment-là, commencer à prouver quel type d'équipe il peut être. Maintenant, côté Madrid. Bah, côté Madrid, les gars, bah, je vous le dis, c'est la fête. Côté Madrid, l'idée d'associer Bellingham, Vini et Mbappé... alors on peut aussi dire Rodrigo, mais moi je pense que ça va jouer à deux. Pour l'instant à Madrid, beaucoup ne savent pas spécialement comment ça va jouer l'année prochaine. Je veux dire, t'es encore sur cette saison, tu sais pas, ça se trouve, Rodrigo fera une fin de saison de psychopathe et donc ce sera obligé de l'instaurer dans le jeu. Peut-être pas, je pense qu'il va y avoir plein de tentatives, impatients d'attendre quand ça va être officialisé, mais ça va être une histoire de mois. Le Real n'est pas habitué à officialiser un joueur qui est en cours de saison, libre comme ça pendant la saison, ça se fait pas, faudra attendre la fin. Mais en tout cas, je pense que ça va communiquer de plus en plus, que ça va être officiel d'une certaine manière, mais associé Mbappé, Bellingham, Vinicius, ça va être un plaisir inimaginable à regarder déjà. Est-ce que ça y est, tu vas marcher sur l'Europe? Attention les gars, le foot c'est une histoire de preuves. Ce n'est pas une histoire de papier ni de nom. Moi là où je suis content, c'est que forcément je kiffe avoir des grands et je kiffe allumer notre télé pour voir des matchs avec Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Kroos, Tchouaméni, Camavinga, Davis normalement. Bien entendu que c'est le plaisir avant tout. Mais être compétitif, bon, tu vas être compétitif, mais être l'équipe qui marchera sur tout le monde pendant 10 ans, il va falloir faire ses preuves sur le terrain. On a déjà eu l'habitude, hein. J'ai déjà vu des équipes de Chelsea qui s'étaient renforcées par des grands noms. J'ai déjà vu les Galactiques de l'époque. Bon, les Galactiques de l'époque, j'ai pas trop envie de les comparer parce que les Galactiques de l'époque, c'était vraiment sans aucun équilibre. C'était acheter des grands, mais derrière, t'avais Elguera, des trucs comme ça. Michel Salgado, Elguera et tout, c'était pas les plus grands noms de ce moment-là. Alors que là, aujourd'hui, tu vas quand même te retrouver avec des Rudiger, Militao, tu vas acheter en défense Thibaut Courtois, Davis, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Kroos. Tu vois, vraiment, tu peux solidifier, apporter un équilibre aussi grand, non pas en termes de nom, mais en termes de capacité sur le terrain, derrière que devant. Et devant, ça va être la régalade de ce qui va être magnifique à voir, les gars. Maintenant, voilà, ça t'es pas assuré, t'es même pas assuré d'écraser ton championnat avec aisance. Tu sais pas. Et ça, moi, je vous le dis doucement. Le foot, c'est pas une histoire de ça y est, on a additionné des noms. Donc moi, je pense qu'à l'heure actuelle, le principe sera de jouer avec un gros milieu et Vini, Mbappé devant. Et ça va bouger comme ça devant. Des fois, c'est Mbappé qui se retrouvera à gauche en fonction de la situation. Vini qui rentrera, Mbappé qui rentrera, Vini à gauche. Derrière eux, il y aura Bellingham. Et ça va s'instaurer avec le temps en tournant peut-être un peu Tchouaméni avant que Kroos ne soit plus au Real. Tchouaméni et Camavinga tourneront un peu. Des fois Tchouaméni, des fois Camavinga, en fonction de comment ça marche le mieux. Et sinon, Kroos, Valverde, Bellingham autour de ça. Et bon, derrière, après, Mendy ou Davis, si Davis vient. Et voilà, après la défense, on verra aussi. Rudiger, Militao, comment ça se passera. Je me pose la question de l'arrière-droit, de l'après-Carvajal, si petit à petit, ils vont pas tenter par la suite
peut-être pas cette année, mais d'envisager Hakimi. Hakimi, son rapport à Kylian. Hakimi, je vous ai déjà dit que par le passé, lors de la remontada du PSG, du Real Madrid contre le PSG au Bernabéu, Hakimi a demandé à Madrid de revenir. Mais Madrid, Hakimi est sous contrat et c'est plus compliqué, donc à voir comment ça se passera. Mais je pense que ce serait sur une histoire d'année, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, j'en sais rien. Mais bizarrement, en tout cas, on n'entend pas encore d'histoire d'arrière-droit. Je pense que ce sera une histoire d'Hakimi, peut-être pour plus tard, dans un futur mercato. Le numéro d'Mbappé, alors beaucoup évoquent le 10, si Modric s'en va. Mbappé qui prendrait le numéro 10. Le numéro 9 est libre, mais j'ai pas l'impression que ce sera pour lui. Peut-être qu'il sera pour Hendrick, qui sait. Comme je vous dis, les gars, le Mbaflix n'en est qu'à son début. Mbaflix n'est plus une histoire de saison. C'est une histoire de conquête. Mbaflix, c'est une renaissance. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.